Ouais, la famille bien quoi, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle écoute et revue à la fois. Aujourd'hui, Booba. Booba dévoile un featuring avec un de ses protégés, un nouveau, c'est Shaxx. Shaxx, si je me trompe pas, qui a été signé en décembre 2022, en tout cas qui a été annoncé comme nouveau protégé de Booba en décembre 2022. En plus de la cape d'artiste, donc de rappeur, Booba a la cape aussi de producteur. Un très bon producteur qui pousse ses poulains vraiment jusqu'au bout, comme dernièrement avec SDM. On a eu aussi Shai, si je me trompe pas, il y a aussi Mademoiselle Lou, il y a Green Montana, bref, et j'en passe. J'ai hâte d'écouter ce que vaut ce featuring-là, à voir si ce Shaxx est vraiment aussi talentueux qu'il n'en paraisse. Le featuring s'appelle Le Code. Écoutez la famille, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez surtout pas, si vous n'avez toujours pas fait, à vous abonner, à mettre à fond de like, vraiment je compte sur vous. Plus vous mettrez de like et plus ma vidéo va être encore plus visible. Autre chose importante, la cloche. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune future vidéo. Écoutez, si vous êtes prêts pour cette vidéo, c'est parti. J'ai un peu le seum parce que les paroles sont toujours pas disponibles. Booba en featuring ne déçoit jamais. Là, en plus de Booba, j'ai envie de voir vraiment ce que vaut ce Shaxx. La production est un peu atypique, ça ressemble pas à tout ce qui se fait aujourd'hui. En tout cas, ça a l'air de pas ressembler. Bien. Déjà, très bonne chose. Merci mon Dieu, ils ressemblent pas à tous ces vocodeurs qu'on entend sur le marché. J'attends vraiment de voir le style de flow, me déçoit pas. J'aime le petit pic qu'il a lancé sur les manuels d'histoire géographie. Il faut savoir que les manuels d'histoire géographie, en fait, il y a quelques études qui ont montré que l'histoire sur l'Égypte antique, sur bon bref. Toute la majorité de l'histoire a été faussée. Donc ça, c'est une belle pique. Là, au niveau du flow, j'ai l'impression d'entendre un peu du Kershak. Malheureusement, on est comme ça, nous, êtres humains, on a bien assimilé un nouveau à quelqu'un qui existe déjà. Et au niveau des paroles, ça n'a pas l'air d'être Booba qui est derrière. Dans ma tête, gros, j'ai creusé comme un enfant dans la mine. Payé par qu'un département, je suis obligé de gagner, je peux pas faire autre. Attends. Les rimes sont bien. Ils posent bien. 9-2-I, c'est solide. Je suis avec ta face de les dents. J'ai plus la potion préparée par le druide. 9-2-I, c'est solide. Après, bon, il a baratiné. Il a dit, j'ai bu la potion préparée par le druide. Je sais pas s'il parle de B2O, mais très belle référence. J'ai peur de la guerre, j'ai peur de la paix. J'aime pas quand c'est belle pour qu'on se réconcilie. Allo, on n'emporte rien avec soi. Je sais pas si c'est le refrain, ça, mais j'aime bien. J'ai peur de la guerre, j'ai peur de la paix. J'aime pas quand c'est le refrain. Ils sentent qu'on a grave plus du poids. Très très bon refrain, dans la même lignée que le couplet. Il n'y a pas un gros décalage, et c'est pas chanté. Il n'a pas fait le racoleur vocodeur, hein, pour rassembler le grand public autour de son son. Ah, reste à voir maintenant le couplet de B2O, putain je kiffe déjà le morceau, ça va aller directement dans la playlist. Bientôt l'homme ne sera plus qu'un oubli, t'attends le Christ, j'attends les Anunnaki. Très belle référence historique, les chrétiens et les musulmans attendent le retour du Messie, et lui dit non, moi j'attends les Anunnaki. Je peux faire des cours d'histoire à la famille, mais en tout cas les Anunnaki sont des divinités mésopotamiennes. Bon, allez voir ma vidéo sur Anunnaki de Val, vous allez comprendre. C'est pas les ratis chamars qu'on moulit, ta vie est trop courte, c'est une partie d'échec, t'as forniqué à 10, la retraite à 14, c'est carré. On est soudés comme Golo le R, j'ai le WhatsApp à Xi, à Bruno le Maire. Attends, les bics là. B2O. Tiens, la pique envers Bruno Le Maire. Merci. Satisfaction totale, ce mec-là, c'est... Je sais pas, actuellement, j'arrive pas à voir mieux, quoi. Je suis pas en train de cirer les pompes. Je suis en train vraiment de mettre en avant des faits factuels. Là, je vous mets des exemples. Le petit hic dans le couplet de Booba, j'ai l'impression que... En fait, comme je dis, il pose, ça fait ça, sa partie, elle est comme ça. En tout cas, c'est trop long pour sa partie. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que les serbes sont pas très bien posées. Bref, sinon, en tout cas, c'est qu'un petit détail. J'aime le refrain. Très bon essai, très bon featuring. Et avec l'aide de Booba, j'espère en tout cas qu'il réussira à imposer ce premier single. J'espère, je souhaite. Après, là, je dis premier single, mais en tout cas, je sais pas si sa carrière a déjà commencé. En tout cas, voilà la famille, mon ressenti, ma review sur le son Le Code entre Shaxx et Booba, entre le protégé et le maître. N'oubliez surtout pas de donner votre avis dans la barre de commentaires juste en bas. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de mettre des likes et d'activer la cloche d'notification pour être aucune future vidéo. Désolé si je parle très vite, mais je suis très fatigué. Et non, on se dit à la prochaine. Allez, salam.